Dès le mois de septembre, dès le 14 septembre précisément, on ouvrira ici à l'Urdla une exposition qui, en effet, comme vous le dites, est associée à la Biennale d'art contemporain d'un artiste français qui est né à la fin des années 70, qui s'appelle Marc Geffriot, qui a un travail tout à fait repéré et qui a déjà été pas mal bien montré en France, en France et ailleurs. Et pour cette exposition qui s'appellera Raoul D. Marc Geffriot a souhaité, bien entendu, on produira des pièces, il y aura des pièces qui seront imprimées ici, mais c'est particulièrement intéressé au passé industriel et technique, et donc ouvrier, de la ville de Villeurbanne, qui vient croiser nos pratiques, puisque la lithographie, les techniques de l'estampe, mais la lithographie en particulier, ça a une histoire ouvrière et industrielle. Et donc le propos de Marc Geffriot pour cette expo, ça va être de faire refluer les ateliers, de délocaliser les machines et les outils dans les salles d'exposition et de permettre au public une circulation libre entre les espaces d'exposition, les ateliers, la totalité des ateliers, avec la mise en lumière d'un certain nombre de pièces, dont peut-être il sera difficile de savoir si ce sont des œuvres ou des outils, parce que cette étrangeté opère parfois avec certains outils. Et l'exposition, elle se supporte, je dirais, d'une performance qui est pensée comme un plan séquence, qu'on jouera 4 fois, parce que le public qui peut assister à cette performance doit être assez réduit à chaque fois, donc ça permettra à un certain nombre de le voir, et qui viendra remettre en jeu ce qui se passe la nuit dans les imprimeries. Et donc en même temps que l'ouverture de l'exposition de Marc Geffriot, on ouvrira sur la totalité de l'allée. Ici, on est au 207 rue Francis de Pressensé. Et dans ce chemin, nous avons des voisins, qui est une agence de communication et de marketing qui s'appelle Atome, et qui est aussi un espace de coworking, pardon. Avec lequel on est en grand partenariat. On a à l'heure actuelle des œuvres et en permanence des œuvres exposées chez eux. Donc en même temps que le vernissage de l'exposition de Marc, on ouvrira une autre exposition sur le chemin et dans les locaux d'Atome qui a pour nom Furie. Et puis ce sera aussi l'ouverture d'un artist run space qui sera installé dans le jardin qui est à l'entrée. Un artiste run space qui du coup est mené, animé par deux artistes qui vivent à Lyon, Laura Benaïba et Rémi Tiara. Et donc il y aura ce 14 septembre, sur le week-end en totalité, 14-15 septembre, disons 48 heures d'événements.